Il n'y a plus de place. Ok, coucou. On va commencer les filles. Hello. Hello. Vous pouvez parler, vous pouvez dire bonjour. Hello. Oh. Bonjour. Assalamualaikum. Voilà, toutes les langues. Toutes les langues, comme ça c'est fait. Oh, donc c'est la première fois, je pense, sur ma chaîne qu'on va faire un unboxing en famille. On a eu du mal à faire rentrer 5 personnes dans le cadre, mais c'est bon, on y est. Ok, donc les filles, Ahmed, Haroun. J'ai ici un colis, donc c'est un colis de la boutique umzaid.com. Donc c'est une boutique qui est spécialisée dans les cadeaux islamiques. Normalement cette vidéo sera postée durant le mois de Ramadan. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous un bon mois de Ramadan. Bon Ramadan, à vous tous. Bon mois de Poula. C'est la version turque. Ramadan Mubarak. Ramadan de Poula. Non, pas de Poula. Mubarak. Mubala. On recommence. Ramadan Mubarak. Ramadan de Poulak. De Poulak. De Poulak. C'est quoi la lettre ? Donc, j'ai ici un colis. On va dire que c'est un peu un cadeau Ramadan, Aïd, un peu à l'avance. Les filles, c'est vous qui allez ouvrir. Enfin, j'ai ouvert, mais vous allez déballer et nous donner les articles. Donc, dedans, il y a des cadeaux pour toute la famille. Ooh. Alors, attendez. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai ici... Merci pour votre confiance. Rejoignez-nous sur les réseaux boutique Umzaid à la Snapchat, boutique Umzaid sur Facebook, boutique. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'information. Donc voilà, la carte qui est là. Donc qui commence, Rania ou Maria? Maman. Ok, Maria. Ok, Maria. Ah, c'est moi qui questionne. Bah, tu dois prendre, tu donnes à maman. T'as des bulles, Valou. Les filles, j'ai pris des ballons pour qu'on décore parce que bientôt ça sera la fête de l'Aïd. Voilà, les Malaisiens appellent la fête de l'Aïd Hari Raya. Donc voilà, j'ai pris des ballons. Rania. Tu choisis quelque chose et tu me le donnes. Non mais Rania, tu donnes. Voilà. Ouh, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour aller à la mosquée. Pour aller à la mosquée, attention. C'est boy. C'est boy parce que maman, elle a pris ça pour... Ouh, c'est tout petit, c'est pour qui? Rania, ça, les khamis comme ça, c'est pour les garçons. Donc j'ai pris ces petites khamis pour Haroun. Là, c'est pochette. C'est trop mignon, hein. Là, c'est pochette. Oui, il y a une petite poche. Tout simple, voilà, comme ça. Pour Haroun, et je crois qu'il va lui aller, hein, là. Ok, à Mariam. À toi, Mariam. C'est pas quelque chose de grand. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tapis de prière. Oui, il y a un tapis de prière. Haroun. Non, qui aime bien le vert? Moi. Non, qui aime bien le vert? Il y en a un autre pour toi, c'est qui aime bien le vert? Moi. Ok, cherche ton tapis de prière. Il y a un tapis de prière pour toi aussi, Rania. Tu cherches? Un tapis de prière, hein. On a deux tapis de prière. Alors les filles, qui aime la couleur verte? Moi. C'est pour Mariam. Et ça c'est le vert, le bleu pour Mariam. Rania, pardon. Donc les filles, pendant le Ramadan, on va aller à la mosquée plus souvent, le week-end. Et donc vous pourrez prendre votre petit tapis de prière. C'est mon foulard. Oui, ton foulard aussi. Tu pourras prendre ton foulard aussi avec. Donc vous aimez bien? Vous avez vu comment ils sont doux? Ça va bien, petit peu. Oui, ils sont tout doux. Ça va être. Tu as vu des little sweet? Maman, je veux commencer. Mariam, allez, vas-y. À Mariam. Tu veux un petit bonbon dans les yeux? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi ça? Des bonbons. Des bonbons. Attendez les filles. Mariam, il y en a un autre pour toi, regarde. Rania. Rania, tu cherches, il y a un autre pour toi? Ces bonbons, ils sont, à votre avis? Qu'est-ce que les musulmans ils mangent? Ils mangent des bonbons. Mais ils doivent halal. Être halal. Ils sont halal. Bon, ici à Singapour, on est servi puisque tout vient de la Malaisie, donc il y a énormément de halal. Mais bon, en France, on ne trouve pas forcément des bonbons halal. T'as jamais goûté. T'as jamais goûté? Ben voilà. Donc, vous pouvez partager, les filles. On arrive à la fin. En fait, on va quasiment pas parler. Je pense que des cadeaux. Ils sont beaux, ils sont. C'est vrai. C'est bien choisi. Attendez, il y a quelque chose ça, pour toi. Oh. Donc, Mariam, tu nous donnes ce qu'il y a. Le cadeau suivant. Oh, c'est lourd. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est à votre avis? Qu'est-ce que c'est? Des films. Des films. Ah, j'ai pas pris de film. On va voir qu'est-ce que c'est. Donc regardez, maman vous a offert un tapis de prière. Donc ça c'est quoi? C'est un livre sur Ramadan. Non, pas Ramadan. Regardez, c'est sur quoi? Qu'est-ce qu'elle fait la petite fille? La prière. Oui, elle fait la prière. Donc il écrit j'apprends la prière pour les filles. Oui, il y a la prière de la nuit. On fait 5 fois la prière par jour. Donc maman va vous, elle va, et papa, on va vous lire ce livre qui explique... C'est quoi dedans? Regarde, ça explique quoi? Comment on fait les ablutions et comment on fait la prière. Comme vous vous souvenez quand vous êtes partie la dernière fois dans le stage avec la dame, quand elle vous expliquait comment faire
les ablutions. Donc, ce livre ici, il est également disponible pour les garçons. J'apprends la prière pour les garçons. Donc, voilà, vous voyez, il est comme ça. Alors, maman l'a pris pour les filles et quand on prendra pour les garçons quand Aaron sera plus grand. Mais là, c'est pour vous, d'accord? Donc, voilà, j'ai pris ce livre aussi. Et alors, les filles, oh là là, ça, c'est un cadeau pour papa et maman. Hein? Bah oui, nous aussi, on a droit d'avoir des cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des livres, tu la connais, je pense. Tu connais, hein? Oui, il est très connu, c'est donc le... Apprendre la langue arabe avec la méthode de Médine. Donc, on a le tome 1 et le tome 2 qui se présentent comme ça. Donc, voilà, Med. Bah, écoute, on va se motiver. T'es motivé? Challenge ou pas? Les deux livres à la noter ici. Tu vois, deux livres plus un CD, donc il est au prix de 31. C'est pas cher. C'est pas cher. Donc voilà, il y a plein d'exercices, il y a vraiment les règles. Oh, Ahmed, tu vois, t'as vu, c'était pour toi. Ahmed et les filles. Voilà. Ahmed et les filles? Oui, Ahmed et les filles. Il y a des discussions, des exercices. Reste un cadeau. Qui n'a pas eu de cadeau? Rania. Si, vous avez eu des cadeaux. Rania a eu son petit cadeau. Le livre, les livres, on va dire que c'est plus pour moi, mais voilà. Non, papa, il a pas eu son cadeau. Mais oui, c'est moi. Non, non, non. J'avais le cadeau de toute façon. C'est quoi dedans? Ah bah, vous allez l'ouvrir. Allez, vous allez l'ouvrir. Comme c'est bientôt le ramadan, papa, il va aller tous les soirs à la mosquée pour faire la prière. Donc, j'ai pris une taille 56, ça correspond à taille M. Et c'est composé de deux pièces. Donc, il y a le pantalon et le chemise. Tu vas essayer vite fait? Ouais, il est vraiment bien. Ouais, le tissu, il est bien. Ouais, vraiment fin. Des fins. Voilà, comme ça pendant le mois de ramadan, tu penseras à moi. On va faire prière. Attends, 5 secondes, 5 secondes. Donc, on a dans le paquet 3 marque-pages avec l'alphabet en arabe. C'est folklorique de filmer avec des enfants, franchement, c'est... voilà. Et Ahmed, si tu as essayé, tu peux nous montrer la taille? Ok. Attends, tu peux juste relever toi un tout petit peu. Oui, donc en fait, elle va pas jusqu'en bas. Ça, c'est bien, parce que le truc, c'est quand ça traîne, c'est embêtant. Ouais, ça, ça salit, parce que c'est blanc. Par contre, là, on a le col, juste, tu vois, t'as des pressions. Ouais, ça fait mieux fermé. T'aimes bien, franchement? Ouais, elle est bien. Elle est bien. Le tissu est vraiment léger, donc pour ici, c'est nickel. Il y a des poches sur le côté. Ouais. Donc voilà, taille M. Tu pourrais me dire merci, hein. Pas de clip. J'aurais pu me choisir une robe ou... Parce que oui, elle a du... Pas de clip. D'accord, il y a du pré... Petit, hein. Ok, voilà, parce qu'il y a des vêtements pour femmes. Donc j'allais prendre une abaya, mais je me suis... Donc voilà les filles pour ce haul unboxing. Écoutez, j'espère que ça va vous donner des idées. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est un très bon site. Je pense qu'il y a de tout en plus, pour les adultes et les enfants. Donc je pense qu'il y a du choix et tout le monde trouvera son bonheur pour surtout la fin d'année, pour la fin du mois de ramadan, pour les cadeaux d'Aïd. Voilà, donc les filles, j'ai un code promo que je vais vous mettre en barre d'informations. Désolée hein, pour... Il est là le ballon. C'est important de faire des cadeaux à l'Aïd pour les enfants, ouais, pour les familles. Faut marquer le coup. Exactement. Les enfants, ils ont pas de cadeaux normalement à Noël ou dans les autres fêtes. Exactement, donc il faut vraiment marquer le coup. Bien leur expliquer. Hein. Voilà, donc les décorations, c'est pas mal. Les bonbons. Les bonbons, les cadeaux, l'ambiance, montre qu'il y a une ambiance, qu'on casse le ramadan et que c'est vraiment une jour de fête. Et ce que je trouve aussi bien, c'est que c'est pas forcément pour le ramadan, par exemple, tu vois, quand, je sais pas, une personne se marie, vous avez un mariage, ou même faire un cadeau, je sais pas, pour quelqu'un dans la famille ou une amie, et il y a de jolis corans, tu vois, il y a vraiment de tout. Donc c'est pas forcément que pour... Ok, donc, vraiment des cadeaux utiles. Voilà, exactement. Religieux. Religieux. Donc voilà. Il y aura un code promo que je vais vous mettre ici en barre, ou en barre d'information. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée, c'était très difficile. Très difficile avec les filles. Franchement, vous les entendez à côté, elles sont en train de gonfler les ballons. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Salam alaikum.